Et nous sommes à l'antenne en direct. Et nous sommes à l'antenne pour un début absolument incroyable. C'est magnifique. Voilà. Donc nous voici aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série inédite Cubencraft. Voilà. Inédite épisode. Alors aujourd'hui on va être encore en compagnie de Mémé de Ponty. Donc aujourd'hui, on va réaliser sa maison de Richou. Hein. Voilà. Tu m'as envoyé la photo. Ah oui, ok. Donc dans quelques instants, je vous mettrai la photo. Moi, je vous la mets. Voilà. Donc cette maison, donc, assez complète, on peut le dire. Hein. On aime les défis, donc on le fait. Bah pendant que vous commencez, moi je vais faire une visite de l'ancienne. Et voilà, je vais aussi montrer, puisque nouveau c'est absolument incroyable, je filme. Condamné repère à SDF. Oh non. Non, mais pas non, j'en ai mis 3 millions en plus. Dieu du Congo. Ouais voilà, bon, tant pis. Donc voilà, la petite piscine. Oh, la nuit c'est plus joli je trouve. Ouais, enfin c'est night. Oh le chez lui. Voilà. On est dans les ambiances plutôt modernes. Chaleureux et c'est chaleureux. Ouais. Donc voilà, donc ici il y a deux espèces de bars. Nous avons ici un escalier. Voilà, avec vue panoramique. Ici c'est ma chambre. Et avec mon siège du Congo, bien sûr, qui est voilà. C'est vraiment magnifique. Voilà. Après, il y a juste ici, nous sommes dans la chambre de SDF, donc c'est-à-dire la chambre de Lucas. C'est si bien dit, c'est le cas. Donc je me suis fait chier à décorer et voilà ce qu'on me dit après. Merci. On s'en soutient cette émission. Bon, bah je propose qu'on commence la construction et la réalisation de la maison de Mémé le Ponty. Wow. Donc on va ouvrir le portail qui mène sur rien. Donc vas-y, les matériaux qu'on utilisera, vas-y. Alors, normalement, je n'ai pas l'image. Le problème, c'est que je ne vais pas bien voir ce qu'on peut mettre. Je vais regarder l'image. Donc, des vitres, de l'eau, de la neige. Nous revoilà pour la suite de Cubencraft. Voici juste en face de moi les matériaux qu'on aura besoin pour la réalisation de la maison. Donc vous aurez pu remarquer que ça sera un petit peu différent d'habitude. Ça sera pas tout en blanc. Il y aura un peu de pierre, de laine noire, c'est ça? Ouais, laine noire. Et la neige, oui. Encore de la neige, je sais, mais voilà. Parce qu'on aime ça, la neige. Ok. Tu veux faire comment le patron? Tu veux faire comment? Là je commence à faire le petit truc au début tout simplement. Je pense qu'on va dire ça. Ok. Ah! Ouais, je mets la route, enfin la porte, elle sera là en fait. Après, je sais pas, tu veux mettre en quoi, Mélanie, les petits chemins qui sont dans autour de ta maison. Attends, je vais tester des trucs. Ok. Des trucs, j'ai dit. Ça, c'est joli, ça, comme ça. Là, en plus, je suis en train de faire la piscine. Ça ira avec la maison. Quoi? Ok, bah en fait, bah je vais m'en charger, continue. Je vais faire le fond en laine. Mais faut le faire en fond, parce qu'après on est en galère à revivre. Non, Lucas, non. Je vais le faire, t'inquiète, vas-y, continue. Ok, parfait. Donc attends, je vais garder. Je vais mettre des murettes dessus. Le fond, je le fais en bleu pâle. Comme ça, regarde. Oh, comme ça, bah c'est un nom, c'est comme ça. Oh non, non. Enfin, ça fait un peu bizarre. Hein. Bon. Bah comme ça, attends.
C'est pas transparent. C'est le nom, c'est vitre bleu machin. Attends, tiens, je te donne le cube parce que ça. Là, sur les côtés, en tout cas bleu, ça pourrait rendre bien. Comme ça. Là, du coup, prends l'item. Oui. Bah comme éclairage je mettrai de la luminite comme... Ah mais t'as un trou Vous faites en bleu Ouais on va faire les murs en bleu pâle. Enfin en bleu pâle ouais. Mais par contre le sol on sait pas encore trop. En noir au pire. Ou après les bords de la piste. Ouais remarque ouais ok. Attention que personne ne tombe. Ouais, on aurait dû dormir là-bas, ça aurait été plus simple. Bah moi j'ai fait mon spawn point. Ah moi aussi du coup, bah, tu l'as fait, je crois. Pour faire Mélanie en déroute. Ouais, hop, je suis envolé pour pas me couper. Comme vendredi, n'est-ce pas Nicolas? Oui. Tu te souviens? Oui, je me souviens. Un épique quand même. Donc là c'est bon, on a le petit terrasse. Donc. Bah moi je vais commencer le tour de la maison. T'as rempli la piscine ou pas? Ah tu sais comment ça se remplit? Ah tu mets de l'eau dedans. Oui mais enfin pour pas avoir de courant, enfin qu'il n'y ait pas un trou au milieu. Genre en fait un étage. Et que le. L'intérieur sur les coins, donc là tu fais un grand truc comme ça. Un petit conseil pratique. Efficace et pas cher. Ouais, bah je vais continuer. T'es pas obligé de tout remplir en fait, tu remplis juste le milieu. Comme ça, tu vois. Ça suffit, tu vois. C'est bizarre, t'as fait le cœur. Ouais, c'est petit peu. Tu veux bien, mais tranquille. Moi, de mon côté, je vais avancer le. C'est la première partie de la maison donc. Ouais. J'ai commencé la base en pierre. Ok. Bah pour voir un peu ce que ça va être quoi. On va déjà voir ce qui met tout le charme à la maison. Voilà. Ah. Oh là 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 là. Ouais. N'importe quoi, j'en ai partout. C'est pas grave. Tac. Voilà. Ok. Voilà. Lucas. On a la lumière maintenant. Lucas. Oui. Je continue jusque. Attends. Jusque là en fait. Je comprends pas. Où es-tu? Le mur. Enfin, le petit muret, tu sais, qui entoure la construction. Oui. Ouais, mais tu le sors, oui, peut-être. Ouais, j'ai fait là. Ok. Ouais. Tu commences quoi, toi, Lucas, là? Ah, je commence les murs, tant pis. Ok. Ah oui, la terrasse en fait, la terrasse de devant, ça sera un peu surélevé quoi. Oui, tout est surélevé. Bon, le problème, c'est qu'on va être un peu chiant, c'est pas pour faire le sol. Enfin, encore, on n'aura pas à casser la terre. Donc là, on a le dépeigne, quoi. Ouais. Tu filmes avec le bail de texture là. Ouais. Même que dans le pack de texture, t'as des gros joues. Vas-y, regarde-moi. Mais je sais, mais c'est horrible. T'as un gros nez, t'as les gros cheveux. Le crâne de machin, il est parti. Ah, épique. Bon, peut-être qu'on fait une ellipse, le temps de faire la carcasse de la maison. Non, regarde, là, je peux te dire. Ok. Loup, ma nouvelle tête. François. Oh. Donc, la petite ellipse. Allez, à tout de suite. Donc, nous, voilà, donc on a bien avancé quand même, pour pas que ça prenne un peu trop de temps non plus. Ouais.
Donc là, on va commencer. Bah, là, on a, pour l'instant, on a fait presque que la façade et un peu aussi le surélévation. Tant pis. Vive la France. Voilà. Donc là, j'ai vu qu'on avait oublié de transformer les vides normales en vides communs parce que on a pris cette décision de changer ça. Ah oui, bah laisse-moi, je vais le faire. Continue. J'y vais le faire. Un point de vue général, donc voilà quoi. Ça conforme, on peut dire. Ouais. Et donc là, c'est ça. Ah, c'est bien. Ouais. Bah, pour ceux qui ont bien fait attention à l'image que j'ai mis au début, ça ressemble plutôt bien. Bon, je pense que moi je la remettrai à la fin. Ok. Ouais. Bah du coup. C'est un peu bizarre. Voilà. Hop. Voilà. Ok. Attends, je regarde un peu. Bon là, ça sera du blanc. Où ça? Là, regarde. 5 secondes, je t'invite ça et je viens te rejoindre. Oui. Donc. Oui, Pente, j'avais prévu de faire en fait. Ça. Tu te. Tu vois, ah, okay, okay. Je vais accepter. Ah, ok. Mais là, du coup, je ferme aussi là. À gauche, oui, tu peux. J'y t'en perds. Si tu veux, hein. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Donc, pour ceux qui me regardent, donc, je suis comme Nicolas, je suis avec le float, j'ai oublié de le préciser. Je sais pas comment vous avez l'habitude, non. Et Nico, j'ai envie de créer un truc qui n'y est pas. Bah, fais-toi plaisir. Attends, quoi. Ok. Bah, tant que ça rend bien. Non, ce serait pas à l'est du tout, je ne comprends pas. Ok. Donc, je voulais faire en fait une porte de garage ici, mais le problème c'est que, à moins que la voiture passe dans un bloc ici, enfin, c'est assez bizarre. On s'en fout. Sur du bois, non, ça va faire super. Bon. Je vais faire garder okay. Ça. On commence à faire les côtés, comme ça sera pour visualiser un peu la taille. Ah ouais, parce que je suis en train de commencer, par contre je sais pas trop comment on va faire ça, mais... Si tu veux, je te fais la forme, j'arrive à parler. Ouais. Ok. Je pense à quelque chose comme ça... Ouais, c'est, tu veux pas juste la... Non, rien. Non, c'est bon. C'est bien comme ça. Non, j'avais trop peur que ça fasse trop serré avec la porte, mais ça... Ouais, en fait, quand on a grand dire avant que ça soit encore un bon balcon à l'arrière. Bah ouais. Oui, justement, on pourra faire des avancées à l'arrière. Ça, c'est ce que je pensais. Ouais. Okay, ça pourrait être pas mal. C'est ça. Ok. Voilà. Bon, le problème c'est que j'aime pas cet endroit. Comment ça t'aimes pas ce endroit? Cet endroit là je te laisse pas, je trouve que c'est pas bon. Lequel? Viens voir. Si. Le truc en pierre? Ouais. Je trouve ça rend bien. Je trouve que c'est un peu trop carré. On peut voir ici comme ça. Voilà, il y aura un deuxième étage, je pense. Ok. On en est à combien de temps, là, Mélanie? 15 minutes. 15 minutes? Ok.
Petite avancée. Ouais. Parce qu'il faut s'avancer puisque les vis sont en retrait. Mais bon, ça. Mais ça, je ne vais pas faire un bloc. Ça ? J'arrive même pas à poser un bloc. C'est pour les bâtiments de Minecraft. Après, on fait de planque, on va tout en neige. Oui, mais après, on va faire des petits trucs. Et est-ce que j'ai vu de l'image, tu peux voir qu'il y a un troisième étage. Enfin, qui fait un balcon. Tu vas regarder ici. Ouais, oui, okay, bon. Okay. J'ai pas tellement envie de le faire. Ouais, bon, au pire, ouais, c'est pas obligé. Okay. De toute façon, on n'est pas obligé de faire complètement du copier-coller. Oui, mais parce qu'après, tu vois, les villas. Deux étages pour moi, je trouve que c'est bon. Après, une villa qui, comme une grande, très très grande, non, il y a manière de faire quelque chose, mais bon. Mélanie, tu fais juste toi là, tu me fais un super bon travail, j'aime beaucoup. C'est pratique ça. Ouais. Ouais. J'essaye de réfléchir à une forme de vitre. Tu veux que je t'aide? Bah, je vais essayer de designer un truc, quoi. Okay. Sans que ça fasse trop au carré. Ok. Je te fais. Ouais, là, ça fait. On est bien entendu, ça fait bien trop carré. Ah oui, du bois. Ah, on peut mettre du bois sur les côtés, c'est vrai. Pour enlever cet aspect dégueulasse. Sur les lumières. Bon. Ou sinon, on reprend la bonne vieille méthode des escaliers comme ça. Ouais, mais. Et ouais. J'ai du mal. T'aimes pas. Je trouve ça ultra stylé, moi. Comme ça, tu vois, ça, je pense, fait trop carré. Oui, c'est peut-être qu'il y a un peu de carré. Hein. Cette technique, moi, je la ferais pas sur mes montagnes, ça rentre. Comme ouais. Même comme ça? Non, c'est égal. Bah, je sais pas, vas-y, propose un truc, parce que moi, je sèche. Bah, attends, tu peux remplacer l'escalier par des vitres que je te fais ça. Ouais. Ok. J'arrive. Comme ça. Ouais, oh merde. Crédit. On fait une petite ellipse le temps d'avancer un peu, parce que sinon ça fera un. Oh. Ouais, ok. Ellipse. Ok, à tout de suite. Donc, on a terminé le bâtiment. On va vous présenter. Bon, pas encore, il y a encore beaucoup de décorations à faire qu'on fera en off et qu'on vous montrera au prochain épisode comme d'habitude. Donc bah je propose qu'on fasse une petite visite d'extérieur et d'intérieur, de nuit et de jour. Oui. Je vous fais un peu le tour. Voilà. Oui. Oh, bon, on n'a pas encore fait le premier étage, le salon. Ouais voilà. On vous montrera tout ça au prochain épisode parce que sinon ça fera un épisode beaucoup trop long. Voilà. Donc ici c'est là où il y aura le jardin. Évidemment. Avec palmier, bilu chouette, bilu, voilà. Et bon, bah attends, je vais mettre de nuit pour voir ce que ça rend, mais c'est vraiment ultra stylé, mec. Mais c'est pas encore éclairé, là, on va faire quoi? Ah oui, j'y ai pas pensé. Attends. Bon. Au moins, Mélanie, elle suit, tu vois. C'est professionnalisme. Bah, moi aussi, hein. Moi aussi, je suis un pro. Non, t'es nul. Une petite correction. Là il y aura une cheminée, donc assez moderne, complètement moderne, on peut le dire. Ah, il y a un problème, mais. Donc on met un peu la lumière partout dans chaque coin, ça nous permet d'avoir beaucoup d'éclairage, c'est plus pratique.
Mais les renforts en décalage. Bah, c'est pas grave, on vous laisse comme ça. Vous êtes quoi là? Bah, on a fait le tour, tu sais, le petit muret qui contourne un peu tout, quoi. Ah oui, en bois? Ouais. On a essayé de mettre du feu dans la cheminée ou quoi? Ça voulait. Clairement, ça voulait. C'est juste décoratif. Briquet. C'est ça brûle. Nico, ça brûle et ça brûle. C'est sûr? Presque sûr. Je t'avoue, j'ai pas envie de risquer ça. Bah attends, t'inquiète. Moi, ça me rend compte que tu t'es gouré en droit, t'as mis des planches de chêne et. Bon, on met de la cajou. Je vais voir à l'extérieur. Je vais voir à l'extérieur si c'est en train de brûler. Non, ça brûle pas. Si on ferme, on va fermer. Non, je suis sérieux, il y a nulle part qui brûle là. Pour l'instant. Vous avez du temps, tu sais, non ouais. Bah, alors, c'est... Mais lui, si on voit que ça commence à brûler, c'est la pierre et la pierre et la neige, c'est pas inflammable de toute façon. Oui, mais je croyais tout le temps que la neige, ça fondait, non? Non, je te jure, ah non, les blocs de neige, non. Ah, c'est génial. Je vais dans ce qui est d'ailleurs très réaliste. Ouais. Exactement. Donc, le rendu de nuit est vraiment supérieur. Ouais, sans pluie, ça sera encore mieux. Et voilà. Ouais. Bon. A magnifique house. Ok. On présente juste le projet qu'on va faire au prochain épisode. Ouais. Enfin, peut-être pas au prochain épisode, mais non, pas au prochain épisode, parce qu'on va continuer un peu les villas quand même. Mais voilà. Donc ici, ça sera la The Best Route of the World. Qui va aller. Ouais, on l'a pas montré, mais. Voilà, donc qui va aller très loin. Enfin, très loin, oui, ce sera la grande route principale de la ville. Avec tout autour que des immeubles, des gratte-ciels, enfin vraiment un truc de riche quoi. Non, on a. D'ailleurs, Lucas et moi, on a un bâtiment qu'on aimerait bien faire, qu'on y travaille, voilà. Ouais, même plusieurs, parce que je l'ai trouvé. Ah ouais, ok. Pas en ce temps, donc ça va être vraiment. Je pense que vous allez aimer. Okay. Et vous pouvez voir que juste au-dessus, j'ai mis deux petits repères. Il y aura un cube de géant en feu dans le lot, c'est pas mal. Un truc là qui a méga quand même. Ok. Bon, bah sur ce, je vous dis salut à tous. Salut à tous. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bon. Donc voilà, donc n'hésitez pas à laisser plein de pouces bleus comme d'habitude. Pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, bah abonnez-vous, hein. Ça vaut le coup. Je vous le promets. Et puis sinon, bye bye. Allez, salut à tous. Bye bye, salut à tous. Non, je déconne.